toi qui domines la capitale du second étage de la Tour Eiffel, les salades composées n'ont pas de secret pour toi. Alors, que nous proposes-tu aujourd'hui ? Poireaux en salade, crabes et saumon fumé. Pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Il faut choisir des petits poireaux. Des petits poireaux, des jeunes poireaux. Jeunes poireaux. Qui, à mon avis, sont meilleurs et plus tendres que. Et combien en faut-il ? Il en faut 16. On les coupe, on les lave comme il faut. Et on les laisse entiers surtout, on ne les coupe pas en deux. Hein. On porte de l'eau à ébullition, tout à fait. On sale. Il faut que ça bouge pendant à peu près 4 minutes en gros. On vérifie. Normalement, voilà. Normalement, ils sont cuits. Ils sont super. Il ne faut pas que ce soit quand même trop cuit. Non, il faut que ça reste al dente. Hein. On les plonge immédiatement dans de l'eau froide avec des glaçons. On les laisse à peu près 2 minutes, hein, voilà, le temps qu'ils refroidissent complètement à cœur. On les met sur du papier absorbant. Papier absorbant, de manière à ce qu'ils soient bien égouttés. Et on les enrobe même, voilà, comme ceci. Hein. On retire la ficelle aussitôt, tout doucement, en faisant attention de ne pas les esquinter. Alors maintenant, on fait une vinaigrette. On commence d'abord par mettre le vinaigre de Xérès. Une cuillère à peu près de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Hein, voilà. Alors, une cuillère à soupe de vinaigre de Xérès. Voilà. Toujours le poivre avec sel dans le vinaigre. Voilà, pour dissoudre. Voilà, on remue un tout petit peu. Et on rajoute donc l'huile d'olive. Alain, pour cette recette, on prend 3 tranches de saumon fumé, coupées finement. Tout à fait. Et on découpe dans chaque tranche 2 ronds. Par contre, on ne jette pas le tour. Non, on ne jette pas le tour. On le hache et on le conserve. Comme c'est une salade composée, nous mettons avec le poireau du tourteau. Alors, on prend un gros tourteau, on le cuit d'une façon classique. Le plus dur, bien sûr, il faut le décortiquer. Voilà. On l'assaisonne, on l'agrémente avec quoi ? Voilà, alors on commence d'abord par les échalotes. Hein. Une échalote hachée finement. Non. Une cuillère à soupe de persil haché plat. Une petite cuillère à soupe de basilic. Une petite cuillère à soupe d'estragon. Voilà. Et le restant, donc, du saumon, des tranches de saumon, voilà. Dans lesquelles on a découpé 6 ronds. Voilà. Et le sel, le poivre et l'huile d'olive. Et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et donc on mélange délicatement. Hein. Et on s'occupe des pommes. Nous allons les prendre un par un donc, et le couper en deux, hein, carrément. Et on les dispose dans le plat, comme ceci, de manière à faire ensuite un croisillon. Hein. On prend une feuille d'aluminium et on fait 2 cercles. On les fait de la taille de la tranche de saumon. On prend la tranche de saumon que l'on met au fond. Mais donc notre petite chair de crabe assaisonnée avec l'huile d'olive et les herbes. Voilà. Une tranche de saumon de nouveau. On continue à bien tasser de manière à ce que ça tienne bien lorsqu'on déroule. Hein. On termine par une tranche de saumon de nouveau. Voilà. On refouette un peu la vinaigrette de manière à bien mélanger les éléments. On verse sur les poireaux. Voilà les herbes restantes. Hein. Un petit peu de basilic. Voilà. De persil et un petit peu de ciboulette. Voilà. Puis la touche finale ? La touche finale, oui, un petit peu de poivre. On remet un tout petit peu de poivre sur les poireaux, voilà, comme ceci. Alain, c'est une salade à ne pas faire poireauter au réfrigérateur. Il est préférable de faire vinaigre. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr.